pour rouvrir ce collier avec des ciseaux, c'est pas facile. Moi, je vous le dis, mon gars. Je vous le dis. On se retrouve juste après que j'arrive à ouvrir ce collier. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un big collier. Je ne m'attendais pas du tout à voir un énorme collier comme ça. Ouais, ça, c'est la personne qui me l'a envoyé. En fait, j'ai une abonnée, Isa Zazali, Maïsa, avec qui ben, on a vraiment sympathisé, on est devenu vraiment très très proches. Et un jour, elle parlait sur mon groupe des Smilettes que des fards de Make Up Chick, voilà. Marlena, donc c'est une youtubeuse que je suis bien évidemment depuis très longtemps, cette youtubeuse-là qui a créé tous ses fards, enfin qui a sa boutique en ligne et tout. Et Isa disait que c'était des fards qui étaient superbes et qu'elle allait commander. Et ensuite, elle est venue me voir en message privé, elle me dit « je t'ai commandé quelques fards pour que tu testes ». Bah oui, Isa, oui, vas-y, enfin, franchement, merci, mais à chaque fois, je le dis toujours, je suis gênée, de toute façon, ça c'est sûr et certain, je suis en plus quelqu'un qui est très sensible, alors en plus, quand je reçois des présents, c'est d'autant plus, voilà, donc je sais très bien que c'est pour me faire plaisir, j'ai mal au poignet, là, je sais pas ce que j'ai fait, là. Et du coup, ben, c'est vrai que ça me touche énormément. Donc moi, le seul moyen, c'est pas pour vous montrer quoi que ce soit ou autre, si vous montrez, ça peut vous donner des idées. J'ai chaud. Mais c'est simplement pour remercier, pour que la personne voie quand j'ouvre le colis, parce que l'ouvrir chez soi, puis dire merci, pour moi, c'est que dalle. Même si merci, ça veut dire beaucoup, pour moi, c'est que dalle. Et je préfère ouvrir mes colis en live pour que la personne me voie. Donc c'est parti. Alors, oh mon Dieu, my God. Il y a plein de choses sur le dessus et je reconnais, non mais j'hallucine, je reconnais ça. Je vous jure que franchement, tous les Kinder, j'adore ça, c'est mon kiff. Et Isa, tu as vraiment retenu, c'est encore mieux qu'une palette à l'ouverture d'une palette, je vous jure. Mais c'est un truc de malade. Mais depuis, je suis gamine. Oh, les chocobons. Qu'est-ce que c'est bon. J'adore. Merci, ma Zaza. Vous allez me dire, oui, Sandrine, ta chrononutrition, machin et tout. Alors, je vous dis que pendant un mois, de toute façon, j'ai acheté le calendrier Kinder de l'Avent. Donc, de toute façon, tous les jours, je vais faire un joker. Hein. Là, pendant un mois, c'est les fêtes. Et ben, je vais quand même essayer de faire attention. Mais je vais aussi en profiter. Et on verra après les fêtes, comme il faut, la chrononutrition. Oui. On vit qu'une fois. Merci beaucoup, ma Zaza. Lily va être contente aussi. Alors. Ah, j'ai un petit mot. Bah, je me doute que tu as pris plaisir à le préparer, te connaissant. Ouais, tu es heureuse de me faire découvrir les fards Make Up Chick et franchement, j'ai vraiment hâte de les tester. En plus, c'est une amie, Hélène, mon blog de filles, qui adore aussi ces fards, qui ont dit que du bien. Merci pour tout ce que tu nous apportes au quotidien. Tes vidéos, ton partage et Smilette sont toujours un vrai bonheur. Je te fais d'énormes bisous amicalement, Isabelle. Tu as vraiment une magnifique écriture. J'aime beaucoup ton écriture. Merci à toi aussi pour tout ce que tu apportes sur ma chaîne et partout. À vous. C'est Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ouvre. Ah, c'est ça que je sentais. Ça sent la menthe. D'accord. C'est du thé. Kusmiti. C'est ce que tu m'avais dit, Isa. Oh, wow, trop bien. Vous allez dire, elle est pétée, elle a dit, n'a beau pas de thé. Si, je commence. J'arrive. Elle m'a parlé de Kusmiti. Mais comment ça sent, là? Je vais lire ça. Donc elle m'a mis ça, ben... Oh là là, lui, il a la menthe, c'est obligé. Lui, par contre, je sais pas du tout. Je vais voir... Ah, tu m'as mis jasmin. Et lui, c'est menthe, c'est sûr. Spearmint, ah ouais. Faut que je voie avec toi. Et les douaniers, heureusement que vous passez pas. Hein, ça pourrait être de l'aveu.
Je vais être comme ça après. C'est trop génial. S'il y en a qui connaissent Kusmiti, dites-le moi. Donc il y a Spearmint Green Tea. Alors ça, ça sent vraiment trop bon. Et l'autre, c'est Jasmin Green Tea. Bah là, j'ai tellement l'amande dans le nez que j'arrive même pas à sentir l'autre. Donc je vais attendre que les... ça se repose. Merci beaucoup, Isa. Merci, 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 merci. Oh, faut que je trouve des boîtes pour les mettre dedans. Oh, bah là, dis donc, c'est quoi cette boîte? Oh, mais tout ce que t'as mis dedans! Non, mais et je te jure, mais t'es malade! Qu'est-ce que c'est, ça? Rituel! Tu sais que j'ai failli... j'ai failli, quand je suis allée au Sephora avec maman, je l'ai vu à Sephora. Je me suis dit, tiens, je connais de nom, mais je connais pas du tout. C'est la douche! Ça doit être la douche! Ah ouais, ça doit être la douche. Des gels douche en mousse. Oh, trop fort, ouais, c'est ça, trop fort. Bah dis donc, qui c'est qui va se doucher? C'est la Dean. Eh ben, on a rose, orange. Je traduis. Hein. Rasmic, du lait, cherry blossom, eucalyptus. Mais c'est trop fort. Lily, elle va me les chourer. Non, 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 non. T'as pas le droit de t'en servir. C'est trop fort. Celles qui connaissent, dites-moi. Même toi, Isa, dis-moi ce que t'en penses. Je suis trop contente. Et non, mais... oh là 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 là. C'est dingue tout ça. Mais... oh, oh ouf. Oh ouf. Oh. Mais t'es malade. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouh. Bon ben, prenez-vous de la menthe. Asseyez-vous. Oh. Oh non, Isa, mais non. Je veux dire, elle est folle. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. Non, mais là, c'est même pas la peine. Mon centimètre, ma mounette, si tu vois ça, le centimètre, il passe par-dessus le balcon. Là, c'est même pas la peine, quoi. Oh, mais Lily, de toute façon, oui, il y a Lily aussi. Hein, tu m'avais dit, de toute façon, que tu mettrais aussi pour Lily. Waouh. Oh là là, il y a plein de choses. Mon Dieu, mais il y a plein, plein, plein de choses. Oh là là, je voulais l'acheter, je voulais l'acheter, je voulais l'acheter. Vous allez dire, elle est folle. La crème hydratante sur doux Kadom à la crème de talc, je voulais la tester. Vous savez que c'est, pour moi, c'est un amour. Le Kadom, j'adore, mais j'adore gel douche. Crème de talc, c'est l'une de mes odeurs préférées. Oh, alléluia. Oh là là. Ça sent comme le gel douche déjà. Pareil. Oh là là. Je suis trop happy. Qu'est-ce que je vois? Nectar, gommage corps, soyeux au beurre de la mangue. Ça, j'en ai entendu parler. C'est chez Carrefour. Et apparemment, il y en a beaucoup qui aiment. Donc, je vais tester. Impeccable. Des vernis. Oh, les couleurs. Mais attends, dis donc, t'avais pas posté un truc sur ton mur? J'avais mis que j'aimais bien les couleurs, là. Alors, ça, c'est des couleurs que j'aime. Je vous ai toujours dit que j'aimais pas spécialement les vernis violet, violet clair et tout, mais ça, c'est du prune et du violet foncé. J'adore les couleurs. Oh, super, magnifique. Alors, on a un violet qui est le vin. Un magnifique violet. Trop beau. Et alors là, c'est un prune violet, le 48. Il est vraiment topissime. Je suis trop contente. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc-là? Kiko Crème Crush Lasting Color Shadow. Waouh. Ça, ça pète, mon gars. Vous le voyez bleu, mais il est violet. Hein. Il est violet de chez Violet. Il n'est pas bleu du tout. Je ne connais pas du tout non plus. Ombre à paupières en crème. Eh ben, je ne les connais pas du tout, celles-ci. Je connaissais, tu sais, ceux qui étaient eyeliner, j'avais vraiment du mal à retirer. Mais tout ce que tu as mis dedans, là 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 là. Mais j'ai failli aussi le prendre, ça. Mais tu lis, mais c'est pas possible. Quand je suis allée à Sephora, pareil, je l'avais dans la main. Et Lily, elle me dit, c'est quoi, maman, dire un produit à vaisselle? Parce que c'était la recharge. L'eau démaquillante micellaire de Garancia. Ah non, mais j'hallucine. Fleur d'oranger, c'est ça. Oh là là. Mais tu dis vraiment, moi. Oh là là. Que ça sent-il bébé. La fleur d'oranger, ça me fait penser au bébé, moi.
J'adore. Celles qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais plus, j'ai vu une youtubeuse. C'est Loulou, je crois. Loulou Mo. Loulou, si tu passes par là, ça fait longtemps que je t'ai pas vu d'ailleurs. Je sais que tu regardes mes vidéos, mais ouais. Dis-moi, il me semble que c'est toi qui l'as utilisé ça. Oh, tout ce qu'il y a, oh là là. Ah non, mais attends, c'est le Sephora, le 13. Le 13, celui-là, j'ouvre pas, je l'ai, je l'adore. Non, je vous ai pas fait de crash test. Il faut que je vous en fasse un, j'ai plein de produits à faire des crash tests. Et c'est le numéro 13, ce sont les... ah, comment ils appellent ça, je vous donne le nom exprès. Les rouges veloutés sans transfert. Rouges veloutés sans transfert. Ils sont vraiment bien, moi j'aime bien. Top. Trop contente, en plus c'est une de mes couleurs préférées. Oh là là. Et je vais faire plus dire que ça. Les pastellos, j'en ai entendu parler. C'est pastello, c'est Neuf Cosmétiques. Et pareil, j'ai toujours dit, faut que je fasse une commande, faut que j'essaye et tout. Ce sont des crayons à lèvres. Oh, wow. Alors là. Regardez-moi ça. Alors, celui-ci, là, c'est le... Oh, j'aurais dû mettre mes lunettes, moi. Le Pink M215. Je suis trop contente, je connais pas du tout. Et vraiment, Mauve M201, celui-ci. Là. Mais je fais que de regarder là parce que j'ai l'heure pour aller chercher Lily à l'école. Donc si j'ai pas le temps, je continuerai la vidéo après. Oh, Mélanie, mais là aussi. Non, mais en fait, c'est pas possible. Isa, c'est pas possible. Tu es rentrée dans ma tête. Là, non, je sais pas comment tu fais, hein. C'est le numéro 71. Je n'ai rien du tout de chez Mélanie. Justement, c'était un projet aussi. Je mets le carton par terre avant de faire une catastrophe. Pour justement découvrir Mélanie, ce que tout le monde en dit que du bien. Ouh, la couleur. Ça, j'adore. Waouh, ça, c'est une belle couleur. Et là, il fait... Alors, dedans, il y a du fuchsia, il y a du rose avec des teintes de violet. Pour moi, il y a trois tons, mais bon, vous ne voyez pas, hein. Alors ça, j'adore mettre ces rouges à lèvres là. Là, j'ai rajouté du crayon tout à l'heure parce qu'en fait, j'en avais pas. J'aime bien quand je suis avec des rouges à lèvres pétants comme j'ai là. Un trait d'eyeliner, un petit truc de paillettes léger, voilà. Et ça, j'adore faire des make-up comme ça. Ça va très vite. J'ouvrirai ça après, je continue. Crème main argandia fleur d'oranger, nourrie et adoucie. Ah, trop top. En plus, j'en ai plus pour aller au boulot là. Mais non, pas trop ma cocotte. Oh là là, ça sent exactement comme le garancière. J'adore. J'adore. J'adore la fleur d'oranger. J'adore la noix, l'odeur de notre coco. Ça y est, c'est le thé. J'adore le monoeil. J'adore la barbe à papa. C'est des odeurs que j'aime, que je kiffe. Ça, c'est quoi? Impeccable Spring Primer Accessories. Ça, faut que je regarde ce que c'est, ou toi, dis-moi ce que c'est. C'est un primer, donc je pense que ça doit être avant le maquillage. Ensuite, tu m'as mis énormément d'échantillons, énormément, dont dans une pochette. En plus, tu sais quoi? Mais il faut que je vous montre, hein. Je fais la collection des échantillons comme ça. Et je vois rien. Essence Dolce & Gabbana, je connais pas. Flower by Kenzo, ça, je connais. Lolita Lampica, ça je connais. Réminiscence, patchouli, je connais pas. Je suis pas trop patchouli, mais je veux bien connaître parce que j'en ai entendu parler. Chanel, coucou mademoiselle, je connais. Guerlain, ça si tu me l'autorises, je vais le donner à ma maman. C'est son parfum préféré, la petite robe noire. Elle aime bien la petite robe noire, maman. Oh, tous les échantillons que tu m'as mis. Oh là 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 là. Il y a plein de... Oh là là. Viviane, elle m'en envoyait un comme ça, c'est génial, ça va m'en faire deux. J'ai failli aussi l'acheter à Sephora quand j'y suis allée samedi dernier. C'est Gracia qui présentait, mais elle les a, elle, en vrai. C'est Glam Glow, donc il y a l'huile et il y a l'argile en même temps pour se nettoyer la peau. Ça, j'ai trop hâte. On a Bioderma, la solution micellaire. On a le dernier Givenchy, ça tombe bien. Sephora, ils n'avaient plus la bouteille pour le sentir. Ça, c'est un de mes parfums d'été que j'aime, Givenchy.
Oh là, Very Irrésistible, ils sont trop bons. Ensuite, j'ai une petite, des rouges Dior, oh, des petits rouges à lèvres Dior, génial. Alors ça, en général, je les collectionne aussi. C'est aimanté, c'est trop top, regardez. Ça fait la petite pochette, il y a le petit pinceau. On se met ça, hop, on met ça dans le sac à main, c'est trop fun. Ça, je l'adore. Ça, contente aussi. Ah, ça aussi, contente tester. Ça, c'est Hélène, mon bloc de filles, qui adore. Tu vas me faire tester plein de choses. Nars Orgasme. Oh, génial. Je vais pouvoir le tester aussi. Action, c'est Cacao Crunchy. Oh, trop fort. Carit Viz. Oh, génial. C'est Eve de Rêve qui en prend plein. Des masques comme ça, elle l'adore. Génial. Masque anti-tache perfecteur. Merci, Isa. Trop fort. Paupières et contours des rides, larmes de fantôme. C'est trop, trop, trop. Mais franchement, t'es vraiment dans ma tête, papy. T'es une malade. T'as une fille, hein. Je sais qu'elle en a. Hein. Tu me l'as déjà dit, mais bon, t'as quand même une fille. Hein. Et ça, c'est les phares, mais que. Quoi, comment c'est mis? Génial. Ah, le violet. Toi, tu aimes quand je me maquille en violet. Alors, ça se présente comme ceci dans les petites pochettes. Donc, on voit la couleur. Et il y a derrière la référence. Alors, ce que je vais faire, c'est juste que je vais vous les montrer comme ça. Je vais vraiment les swatcher, voir. Et je reviendrai vraiment pour vous faire une vidéo exprès avec un make-up. Je veux prendre le temps quand même. Je ne veux pas faire à l'arrache. Donc, il y a celui-ci. Le Die Dreamer, qui est un violet lilas, un violet beaucoup plus pétant, qui est le Mascarade. J'ai trop hâte de mettre mes doigts dedans. Non, puis moi, là, il me faut le temps, je ne peux pas faire ça vite, là. Le Shaima, qui est un champagne. Et lui, ça a l'air d'être un mat. Oh là là, trop beau. Le Sensus, un violet aussi mat. Merci. Merci, merci. Je suis trop contente. Alors, je continue parce que ben, tu m'en as encore mis. Alors, tu m'avais... Waouh, pour les mettre dedans. Palette MAC. Donc, je vais pouvoir mettre mes fards dedans et commencer ma petite collection. Et je penserai à toi et je mettrai que mes fards Make-up Gilles dedans. Je vais... Je ne sais pas trop comment elle fonctionne. Je vais regarder ça plus précisément. Petite, ma petite palette où je vais mettre mes petits fards. Je vais mettre tout ça là. Pas faire non, je vais la remettre dans sa pochette parce que j'ai pas envie de la faire tomber. Hop, ça sent le thé à la menthe, mon gars. Tu m'as encore mis mais une tonne de choses. Oh, mais tout ce qu'il y a. Oh là là, j'ai une pochette complète. Mon Dieu. Oh beau, je pense à Lutinette, Lutin des Bois, qui adore cette marque-là, donc je vais pouvoir aussi tester. Et c'est Terre des Cévennes. Et des fois, j'aime bien, vous savez, je mets une bébé crème, et là, je suis en train de tester une crème, une bébé crème que j'ai eue dans une dans la Birchbox au mois de novembre, et elle est top, elle est un petit peu pâle, et en fait, je fais... en 3, je fais pas de contouring et tout, je fais juste en 3 et je me sers beaucoup de celle-ci, dont la celle que j'ai eue aussi de chez Too Faced. Et je me souviens plus comment c'est chocolat qu'elle s'appelle, je me souviens plus, mais je vous en parlerai parce que j'aime beaucoup Make-up Révolution et je voudrais faire une commande parce qu'on m'en a parlé, c'est une abonnée aussi qui m'en a parlé, qui a commandé, à m'envoyer des photos en message privé de sa commande, ça m'a fait énormément plaisir. Je sais pas comment il s'ouvre, lui. Et du coup, elle m'a dit que c'était vraiment génial. Il y en a plein qui pensent que c'est génial. Et moi, je vous dis, je fais pas mon mouton, je fais... ah, comme ça, au fil du temps. C'est une couleur que j'aime et que je mets beaucoup, c'est un bois de rose. Là, vous le voyez un peu plus foncé ou rose. Ouais, ça fait pas bois de rose, mais moi, je le vois bois de rose. Ouais, et tu l'as mis où, Coco? Tu l'as mis où, Coco, la référence? Et ben je ne vois pas la référence. De toute façon, vous me reverrez avec, hein, parce que là, c'est sûr que je vais tester tout ça. Hein. Oh, mais Lily, quand elle va rentrer, elle me dit, ah, c'est quoi tout ça? Terry Blush Velouté, le Pêche Nude. Ça, c'est
en crème. Ça se présente comme ça. Donc ça, j'aime bien aussi ces couleurs-là, corail, mais foncé, comme j'ai là, en fait. Ça, c'est un de chez Famous Cosmetics, ça n'existe pas, mais ils sont trop bien et c'est un peu la même couleur. C'est Terry. T'es une malade, toi. Illusoire. Vous connaissez tout Illusoire de chez Chanel. La Miss a dit, oh bon, il y a des choses que je veux plus me servir, je te les donne. Si tu veux, je vais tester. Il est magnifique, ce fard. Il est trop beau. Oh ben, j'ai fait juste... là. De chez Monsieur Chanel. Trop contente. J'efface un peu ce que j'ai là. Ensuite, Kiko. Ah, je connais ce rouge à lèvres là. Alors, quelle teinte ça va être? Waouh. Est-ce que c'est un rouge marron? J'adore. Il me fait penser à un de chez Famous d'ailleurs. Pas chez Famous, un de chez Je mets Maybelline. Et je crois qu'il s'appelle Bourgogne. J'adore ces rouges à lèvres là. Quand j'étais teinte en brune, je peux vous dire que j'ai une collection de rouges et tout ça, de rouges bordeaux trop bourgeois. Les couleurs édition 24 heures, j'en ai un comme ça qui est un peu... Oh, il est beau! Il est magnifique. Il est couleur un peu burgundy. Je me demande même d'ailleurs s'il ne s'appelle pas comme ça. Là, vous voyez, ça aussi habillé comme ça, ça peut le faire. Il est magnifique. C'est la teinte. Moi, j'ai un problème. Hein. C'est soit je sais que je vois pas clair, hein, mais je peux même pas vous dire c'est quelle teinte. Oh, bah, il y en a un qui va se rajouter à ma collection. J'ai une abonnée aussi qui m'en avait envoyé. Parce qu'elle aimait pas spécialement. Elle, ça tenait pas. Lui, c'est un bleu un peu avec des teintes lavande. Ouais. Donc lui je le vois bien en base avec dans ma palette Smoked de chez Urban Decay, la noire vous savez, il y a 15h30, c'est l'heure d'aller chercher Lily à l'école, je vous fais plein de gros bisous, je reviens. Bon, j'ai encore, allez 5 minutes, je prends le temps parce que je veux quand même finir ma vidéo parce qu'il va faire nuit après, je me dépêcherai, je conduirai un peu plus. J'ai un autre blush, je peux pas vous dire la teinte, hein, donc déjà j'ai peiné à l'ouvrir, ça y est j'ai compris le système, voilà, c'est pas le même. Hein. Hop, les teintes que j'adore, tu me connais vraiment. Des rouges, là, Lino, celui-ci, je sais, le Wet Velvet, Wet n Wild, je n'ai pas de produit non plus de chez eux, lui, c'est un matin. Ouh, tu dégommes, mon gars. Ouh, ça, ça fait la bouche. Et ensuite, un Milted. Je ne connais pas les Milted. J'ai même pas essayé celui-là encore de ma palette que ma maman m'a offert pour Noël. Ouh, fit tatane. Chez moi, on dit comme ça, fit tatane ou fit tatane. Regardez-moi ça, le Milted. Ça dépote aussi, mon gars. Donc, quand je suis en repos, quand je suis au boulot, on va peut-être éviter. J'aime bien, pourtant. Mais lui, il accroche. Hein. Ouh, la vache. Il est magnifique. Dépêche-toi, Sandrine. Alors, Sergio... Le Sergio Luis Alvarez Star Powder. Eh ben, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, il faut tirer. Oula, fais gaffe, ma fille. Blanc, mais alors nacré. J'adore. Oh là là. Attendez, il faut que je fasse un swatch. Ouf. Irisé. Et ça, avec eyeliner. Nickel. Alors il faut... Oh, je sens que je vais faire pas la bêtise. Référence. Shiny the Diamond. Shiny the Diamond. C'est ça, Shiny Diamond. Voilà.
Ensuite, Make Up Forever. Ah, celui-ci, je l'ai. C'est ma fée qui me l'avait offert. C'est un eyeliner violet. Et je peux vous dire que ça tient, il est top. Et ça, il n'est pas ouvert. Donc, c'est Accessoires. Je ne vais pas l'ouvrir non plus. C'est un rouge à lèvres. Infatuated. Je peux vous dire que la teinte... Top du top. Oui, je reprends avec vous. Alors, tu m'as mis pour ma petite Kili. Oh, c'est quoi ça? Des bougies? Ah oui, des bougies. Oh, ma fille. T'as envie de la manger, la truc. Blueberry muffin. Mon Dieu, que ça sent trop bon. Par contre, je suis en train de chercher dans quoi je vais faire brûler ça. Parce que là, j'ai ça. Je vais réfléchir. Ils sont trop bons. Eh, tu m'as mis des têtes brûlées. Et vas-y, je les ai pas, celles-là. Goût fraise. Non, mais attends. Tu m'as mis plein de têtes brûlées. Il y a la pomme. J'ai vu la pomme. Pilule du diable. Je suis partie ailleurs. Alors, j'en ai vu d'autres. Je suis en train de regarder ce que je veux pas. Voilà, il y en a plein d'autres. Ça va être à la... Attends, j'en ai vu un autre. Pilule du diable encore. Excellent. Un rose. Et puis mes petites têtes brûlées, là, que ça me pète. Des fois, j'aime bien. J'en emmène au boulot et puis j'en prends une dans la matinée ou autre. Voilà. Ouh là, son nez. Merci vraiment beaucoup, Maïsa. Ça me... Oh, regarde le miltide. Je suis mais vraiment trop, trop contente. Une vraie gamine. C'est génial. T'es vraiment dans ma tête. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Là, tu es en train de me faire découvrir des produits que je voulais absolument. Voilà, je les achète pas au moment où tout le monde les achète, c'est clair. C'est au moment venu. Et toi, d'un seul coup, boum, tu m'envoies une bombe, en fait, façon de parler. Un colis, dedans, on se trouve, le feu d'artifice et tout. Et c'est vraiment génial. Ça me touche énormément parce que, dans un premier temps, je me dis que tu regardes mes vidéos, tu me suis sur Facebook et tu me connais. Voilà, ça c'est vraiment génial. Donc il y a les abonnés qui sont très très fidèles, qui regardent et tout ça, qui connaissent tout par cœur de leur youtubeuse favorite, on va dire. Il y a les abonnés qui aiment bien venir de temps en temps et tout ça. Et comme là, les fidèles et tout ça. Et c'est vraiment génial. Et des belles rencontres, des bons moments, des beaux partages. Et c'est vraiment mais top quoi. Est-ce que... Même sans avoir de cadeaux, de colis, mais ça me fait énormément plaisir, mais rien que le fait de partager, de venir me voir en me demandant comment ça va, comment va Lily et tout, rien que ça, c'est énorme pour moi. Et quand je reçois comme ça un colis avec plein de feux d'artifice, mais vous pouvez même pas savoir, et toi Isa, tu peux même pas savoir, comme ça peut être Cathy Choupi, comme ça peut être Eve, comme ça peut être Mélanie, comme ça peut être Stéphanie, comme ça peut être ma fée, enfin, et d'autres comme Viviane, enfin voilà, c'est toujours des moments, mais qui sont très 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 forts pour moi, et c'est vraiment, mais... immense, je peux même pas vous dire le bonheur, même quand j'ai fait mes swaps avec Gracia, avec Mystiquette, enfin voilà, c'est vraiment... top quoi, c'est ça le partage et c'est génial. Et là, tout ce que tu m'as mis dans ton carton cadeau d'amour, oui, tu l'as fait avec le cœur, ça j'en suis sûre et certaine, et ça se ressent de toute façon, et je commence à te connaître, et c'est vraiment génial. Et en fait, notre rencontre, ça a été un pur hasard, tu connaissais pas ma chaîne, ça a été grâce à Ortho42 qui a fait un Share the Love, et tu es venue et tu as accroché, et ensuite on a un peu plus parlé, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus vie intime, et un peu plus ceci, un peu plus cela, et franchement c'est génial, génial, génial. Ce que j'aimerais, mais je sais que c'est pas possible, peut-être qu'un jour ça se fera, mais c'est que toutes les abonnées que je peux avoir, c'est se rencontrer autour d'un café, et qu'on fasse un lundi, viens boire un café avec moi, même si c'est pas le lundi, vous savez que je tourne mes vidéos entre le vendredi et le dimanche, mais que ça soit vraiment génial. Et j'espère un jour, avant que je finisse ma chaîne, que je termine ma chaîne, pas tout de suite, mais bon voilà, je vais avoir 40 ans, hein, et ben que je puisse au moins rencontrer les gens que j'aime, et que même après, si je ferme ma chaîne, que je continue toujours à avoir ces gens voilà, qui m'ont tellement apporté, et c'est vraiment génial. Et ensuite, toutes les abonnées
qui viennent en dessous de mes vidéos et qui partagent à chaque vidéo. Pour moi, c'est aussi des moments de feu d'artifice comme ça, parce que vous m'apportez tellement et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai eu raison de créer cette chaîne et de m'éclater, de faire ma passion, voilà. Et tout simplement, comme je vous ai dit, de recevoir des présents, c'est vrai que ça me touche, ça me gêne. Vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, tu as donné ton adresse. Oui, parce que sur mon groupe, j'ai décidé de faire quelque chose pour Noël. Et du coup, voilà, elle l'avait. Mais c'est vrai que à côté de ça, vous montrer, ça peut aussi vous donner des idées. Et vous allez me dire, je le sais, tu vas nous faire des crash tests après de tous les produits. Mais bien évidemment, et c'est pas moi qui vous pousse à acheter. Hein, attention, hein, ouais, je vous vois venir. Mais en tout cas, c'est génial. Tout ça, le thé, les Kinder, tout. Mais tout, quoi. C'est vraiment moi, ça me représente moi. Et rien que ton mot, me dire ce que tu as pu me dire... je vais reprendre. Merci pour tout ce que tu nous apportes au quotidien, tes vidéos, ton partage, les smileys sont toujours un vrai bonheur, mais moi de vous avoir vraiment dans ma vie, même si c'est du virtuel, c'est vraiment du bonheur et ça te donne la pêche, ça te donne la patate et c'est vraiment génial d'avoir autant d'amour comme ça des gens, c'est ce que je vous dis, le partage, la communication, l'écoute, c'est vraiment le top quoi. Voilà. Sur ce, je suis à la bourre. Je vais chercher ma Lily. Merci Isa du plus profond de mon cœur. Je te fais plein de gros bisous. Lily viendra te remercier en message privé ou sur ma page Facebook, parce que je la partage, Lily, sur ma page Facebook. Voilà, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, je te remercie, mais vraiment énorme. On parlait justement qu'il fallait que je me rachète pour ranger mon make-up. Là, je crois que... il va falloir que je fasse quelque chose. En tout cas, merci, ça me fait énormément plaisir. Je t'envoie mille, des millions de bisous. Je vous en envoie aussi à toutes et merci pour tout ce que vous m'apportez. Smile and Zen. Et à bientôt avec des crash tests.